Moi, je venais d'une famille ouvrière. Mon père était peintre en bâtiment. C'était le seul revenu qu'il y avait à la maison dans le temps. Et on avait des discussions un peu à la maison, des discussions politiques. Mon père aimait beaucoup la politique et était membre à ce moment-là, dans les années 50, 45-50, du Parti libéral du Québec. Et il faut se remettre dans le contexte. À ce moment-là, c'est Duplessis qui était au pouvoir. Alors, Duplessis, c'était à la droite. Être libéral, c'était de gauche. J'ai été élevé là-dedans, dans des discussions politiques, carrément, avec un ouvrier, un peintre en bâtiment, qui savait tout juste signer son nom, mais qui avait une conscience sociale, qui m'a transmis, je pense. Plus tard, bon, je suis allé à l'école dans le temps, on appelle ça l'école supérieure, le plateau. On finissait en 12e année. Et parce que je m'en allais au monde du travail par la suite, ben j'allais au commercial. Le commercial m'a aidé parce qu'on étudiait à ce moment-là l'économie politique et aussi le droit commercial, ce qui ne faisait pas dans les autres cours. Alors, on arrivait sur le marché du travail, on avait déjà des connaissances là-dedans d'économie, rudimentaire, mais quand même. Et puis là, mon père, quelques années avant de mourir, puis avant que je termine mon cours supérieur, me dit, « Fernand, je n'ai pas d'argent à te laisser comme un héritage, je vais te donner un conseil. Entre à la ville de Montréal. » Alors, tu vois, c'est bien. Mais je ne me doutais pas, moi, des conséquences, des répercussions de ce conseil-là. Alors, je suis entré à la ville de Montréal, j'avais 19 ans. 32 ans plus tard, à 51 ans, j'ai pris ma retraite. Et là, à la ville de Montréal, le syndicalisme comme tel, curieusement, je ne suivais pas ça, j'en avais pas beaucoup parlé. Mon père était peut-être syndiqué, je ne le savais pas. C'est pas des discussions qu'on avait. Mais là, je découvre qu'à la ville de Montréal, où on était à ce moment-là, 6500 cols blancs, il existait un syndicat. Alors, je commence à regarder ça, puis ça m'intéresse. Alors, à la première occasion, il y a des élections générales, je me présente dans ma division, à l'étude de conseiller syndical, tout simplement. Ils appellent ça des directeurs syndicaux, on était 28. Et le soir, au décompte du vote, je passe par une voix. C'est comme ça que j'ai commencé dans le syndicalisme, par une voix de majorité. En 67, on fait une grève de col blanc à Ville de Montréal. La dernière qu'il y avait eu avant ça, c'était en 49. Celle-là a eu lieu en 67. En 2014, on n'a pas eu depuis ce temps-là. Alors, c'est pas fréquent. On se disait, il s'en vient, l'Expo 67, on a une force de négociation extraordinaire. C'était mal connaître Lucien Saunier, qui était l'adjoint de Jean Drapeau. Saunier avait la poigne. Alors, il nous a laissé dans la rue 5 semaines. 5 semaines à geler, là, au mois de février, en 67. Le retour au travail n'a pas été jojo. T'sais? Alors, on fait un retour au travail, mais le groupe qui était pro-grève se présente aux élections suivantes en novembre 67, avec comme thème 67 ou jamais. Et c'est là que là, on a transformé vraiment le syndicat. On lui a donné une tendance un peu plus à gauche. Moi, on m'a donné comme responsabilité la rédaction d'un nouveau organe syndical qu'avec d'autres, j'ai baptisé Col Blanc. Et je suis resté directeur, rédacteur en chef de ce journal-là jusqu'en 69. Et là, à l'intérieur de mon syndicat, on me trouvait un petit peu fatiguant. D'abord, les négociations, je détestais ça. Des batailles de virgule à la table de négociation avec des avocats qui n'ont pas de mandat. Puis ça, je m'ennuyais. Moi, je voulais vraiment passer à l'action. Alors, gentiment, on m'a suggéré, « Venons voir au Conseil central de Montréal, la CSN. » Peut-être que tu aimerais ça un peu plus. Je me suis dirigé de ce côté-là. J'allais aux assemblées. Puis effectivement, j'aimais ça parce qu'on parlait du quotidien. On ne parlait pas de clauses de grief ou de conventions électives, d'augmentation de 2% par année. On parlait des problèmes pratico-pratiques de tous les jours. Le leader qu'on avait à ce moment-là s'appelait Dollard Généreux. C'était un bon gars, un électricien à la Commission scolaire de Montréal. Et aussi, à ce moment-là, il y avait les aumôniers. Les aumôniers étaient encore à la CSN, même si la CSN avait passé de son titre de Confédération des travailleurs catholiques du Canada, le CTCC, et s'était laïcisé avec son nouveau nom, Confédération des syndicats nationaux. En 1968, quand je me fais élire un des vice-présidents du Conseil central, notre syndicat, notre 6500 membres, est affilié à la CSN. Par la suite, plusieurs années plus tard, dans les années 80, je ne me souviens pas exactement, le syndicat s'est désaffilié de la CSN et est passé au syndicat canadien de la fonction publique à la FTQ.
J'arrive à la première réunion de l'exécutif. J'ai dit au président, l'ordre du jour, il dit, il n'y en a pas. Ah bon. J'ai dit, quand est-ce qu'on va avoir un ordre du jour? Il dit, on attend l'aumônier. Ah bon. Alors, j'ai commencé à trouver que c'était un peu curieux que l'aumônier nous fasse l'ordre du jour des problèmes courants qu'il y avait. Alors, ça mijotait tranquillement, et ça, c'est en mai 68. Et là, en mai 68, arrive un phénomène à l'intérieur de la CSN. Chartrand, depuis le mois de février, a fait un retour au syndicalisme après 10 ans d'absence. Il ne peut pas se présenter à ce congrès-là de mai 68 parce qu'il y a eu un accident automobile et s'est brisé un genou. Parce que certains voulaient que Chartrand éventuellement devienne président du Conseil central. Moi, je ne savais pas ça. Je connaissais Chartrand pour avoir fait affaire avec lui l'année précédente parce que j'avais fait imprimer justement chez lui, à son imprimerie, les presses sociales, un petit document de publicité pour mes candidats à l'élection 67. Alors, on s'était connus comme ça. Je le connaissais de sa réputation à la télévision où je l'écoutais prononcer ses allocutions, ses commentaires, avec mon père, justement. Alors déjà, j'avais une idée de Chartrand. Et là, mon Chartrand revient en juin 68. Reportons-nous dans le contexte encore. Pierre-Éliott Trudeau vient d'être élu chef du Parti libéral en remplaçant Pearson. Et il y a des élections générales qui s'en viennent le 25 juin, le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale au Québec. Et là, Chartrand fait son retour à l'Assemblée générale du Conseil central et il propose qu'on invite les membres de nos syndicats à voter pour le NPD, plutôt que pour le Parti libéral de PET. La consigne, est-ce qu'elle a été suivie ou non, je ne sais pas. Mais il y a un nommé Jacques-Olivier, de maintenant de réputation Jacques-Olivier Ford, qui, après ce vote-là, s'est mis à faire circuler une pétition à l'intérieur des syndicats de sa Fédération des employés d'hôpitaux pour renverser cette résolution-là, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Mais déjà, ça nous montrait le caractère de ce Olivier-là, qui par la suite, on a vu, était l'homme pour faire les jobs de bras dans les syndicats. Il travaillait pour Trudeau, c'était son homme de bras dans les syndicats. Et qui était proche aussi en même temps de Marchand. Cette année-là, le congrès de la CSN a lieu en octobre 68 à Québec. Chartrand, qui n'a pas un poste à l'exécutif du Conseil central à ce moment-là, viens me voir, on s'était parlé un peu, viens me voir, Fernand, il dit, il faudrait que les délégations de Montréal, de tous les syndicats, des fédérations et ceux du Conseil central, se réunissent pour faire une espèce de plateforme pour présenter au Congrès. Alors, on fait une assemblée qui regroupe 200-300 personnes. Et on se fait un briefing collectif, une espèce de manifeste ou de plateforme pour nos revendications au Congrès. C'était vraiment bien organisé. Et là, sur le plancher du Congrès, le véritable leader de Montréal devient Michel Chartrand. Et à ce moment-là, arrive aussi un grand geste de la part de Marcel Pepin, le président de la CSN. Il sort le document « Le deuxième front ». C'est comment le mouvement syndical, particulièrement la CSN, peut aider les gens qui ne sont pas syndiqués sous une autre forme. C'est-à-dire, comment peut-on aider les gens, les travailleurs, travailleuses, dans le quotidien? Comment les aider à faire des représentations pour le salaire minimum, pour les accidents de travail, pour le problème d'assurance chômage, pour le problème de locataire, etc. Tout ce qui concerne l'individu comme tel en dehors d'une convention collective. Et après le congrès de 68, on revient à Montréal avec en main le deuxième front qui devient notre Bible. Et là, Chartrand décide de l'appliquer, cette Bible-là, qui est un document adopté par le Congrès, qui était le rapport moral de Marcel Pepin. Et là, ça part. À ce moment-là, au Conseil central, il y a un responsable à l'action politique et une secrétaire, c'est tout ce qui existe au Conseil central de Montréal. Il n'y a pas de représentant de l'exécutif, il n'y a pas de secrétaire général, il n'y a rien, il y a deux personnes qui sont là. Puis l'ordre du jour préparé par l'aumônier. Le type qui fait de l'action politique, qui vient nous voir à l'exécutif, il dit « Savez-vous,
ça ne m'intéresse pas tant que ça. Je pense que je vais donner ma démission. On revient du Congrès, et là, le président du Conseil central se rend compte qu'il ne présente plus rien. Alors, il donne sa démission. Alors, le groupe d'amis de Chartrand, on va le voir, on dit, Michel, c'est le temps. Embarques-tu, je ne t'embarque pas. Il dit, oui, mais il dit, à l'Assemblée, je ne pourrais pas être là, j'ai une réunion en Québec. Ça commence bien. Alors, on lui fait signer une procuration comme quoi il accepte d'être mis en nomination pour remplacer le président du Conseil central. Alors là, Chartrand est élu, et là, il regarde qu'est-ce qu'il y a comme structure, je veux dire, organisationnelle au Conseil central. Il n'y a rien. Alors, il vient me voir, Fernand, il dit, prendrais-tu ça le poste de secrétaire général, il dit, à plein temps? Puis, tout simplement, immédiatement comme ça. Et par la suite, il me donnait vraiment comme titre, il dit, secrétaire général du Conseil central de Montréal, Fernand Foisy, c'est la cheville ouvrière du Conseil central. Il avait besoin d'un organisateur, puis il a voulu reconnaître en moi un organisateur. Et c'est ce que j'ai fait. Et pour faire un flash, pas back, mais par en avant, là, quand Chartrand est parti, est élu en 68, il est parti en 78, il y avait 22 personnes qui travaillaient au Conseil central de Montréal. Des conseillers, mais surtout dans l'organisation, avec à l'esprit la Bible, le deuxième front. On n'a jamais touché à la convention collective au Conseil central de Montréal. Alors, on laissait une organisation structurée, organisée, avec de l'influence dans le reste du mouvement syndical. Et c'est tellement vrai qu'avant que Chartrand arrive comme président du Conseil central de Montréal, on avait de la difficulté à avoir quorum à nos assemblées. Le quorum était de 20 personnes. Et Chartrand, quand il était là, dans les bonnes années, on avait 400 à 500 personnes aux assemblées. Qu'on faisait dans un sous-sol d'église, puis on admettait tout le monde, hein, évidemment les délégués officiels qui venaient des syndicats, et tous les groupes populaires, protestataires, révolutionnaires, on les admettait, avec droit de parole, à notre assemblée, mais après que les syndiqués, les délégués officiels avaient répondu. Congrès 69. À la table en avant, il y a Marcel Pepin, il y a Gérard Picard, qui a été un des éminents présidents de la CSN, il y a Chartrand, puis d'autres, bon. Et là, Michel me dit, écoute, tu vas présenter Gérard Picard. On présente Gérard Picard, qui fait une petite allocution, tout va bien, puis tout ça. Mais là, on veut la CSN, l'exécutif de la CSN et d'autres, de fédérations et d'ailleurs, veulent la tête à Chartrand, carrément. Il prend trop de place. Il applique le deuxième tronc de Marcel Pepin, mais il prend trop de place. Il faut en passer un autre. Alors, il nous arrive comme candidat contre Chartrand, un dénommé Renaud Flynn, qui était président à ce moment-là de la Fédération des employés d'hôpitaux. Les employés d'hôpitaux de la CSN, c'est la plus grosse fédération. Alors, c'est beaucoup de votes, avec beaucoup d'influence un peu partout. Et il est pistonné par l'exécutif de la CSN pour avoir la tête de Chartrand. Mais il ne l'a pas eu. Chartrand a été réélu. Et après ça, les élections ont passé aux 2 ans. Alors, il y a eu le Congrès en 70, en 72 et en 74. À chaque fois, on a essayé d'avoir la tête de Chartrand, mais on ne l'a pas eu. En 74, les ML, les gars, les péquistes, les nationalistes, les conservateurs se sont ligués pour battre l'équipe à Chartrand. Moi, j'étais le premier à y passer. J'ai été battu sur à peu près 500 délégués. J'ai été battu par 25 voix. Et c'est moi qui étais considéré comme le plus fort, le lieutenant immédiat de Chartrand. Puis évidemment que les autres ont suivi. Alors Chartrand, on l'a isolé à ce moment-là. Il prenait trop de place, il trouvait que il allait trop vite. Il allait trop vite. Chartrand allait. Avec Chartrand, comme je dis toujours, là, on travaillait 60 jours par mois, 10 jours par semaine, puis 30 heures par jour. On travaillait continuellement, continuellement. Les familles, ils goûtaient. Hein? Moi, ma femme, mon fils, des grands bouts qui ne me voyaient pas. Hein? On travaillait. On travaillait fort. Il n'y a pas d'autre secret que ça. On travaillait, puis on appliquait le deuxième front.
Chacun retourne à son emploi. Moi, le premier. Moi, je retourne comme fonctionnaire à la Ville de Montréal. J'ai mon emploi. Même si depuis 69, je suis à plein temps au Conseil central, mais il y a l'entente, ce qu'on appelle délibéré par ton syndicat. C'est-à-dire, la Ville te libère de tes fonctions et le syndicat rembourse ton salaire à ton employeur. Alors, moi, je me suis présenté à mon syndicat, j'ai dit, je suis de retour au travail. Alors, j'ai occupé une fonction au Bien-être social de Montréal, parce que j'étais plus montrable beaucoup, là. J'ai fait 4 ans, là, de 74 à 78. Mais là, je suis toujours membre de la commission de crédit de la Caisse populaire des syndicats nationaux, où Chartrand est président. Mais je suis toujours président de la commission de crédit. Et là, il nous arrive, pour je ne sais pas quelle raison exactement, la CSN décide de rapatrier tout son fonds de grève, qui est à peu près de 6 millions, puis ne déposer ça rien d'un coup à la Caisse populaire des syndicats nationaux. Là, on est prêt avec 6 millions. 6 millions, là, tu ne gardes pas ça dans tes poches de même, là. Il faut que ça roule. Alors, tu ne peux pas faire juste, je veux dire, des prêts personnels à 10 000 $, ça ne roule pas beaucoup. Alors, on a ouvert les vannes pour des hypothèques des syndiqués à la CSN. Et d'ailleurs aussi. Et c'est ce qui était. Puis là, ben là, il fallait que quelqu'un s'occupe de ça. Alors, moi, je vais faire mes services comme directeur du crédit, la Caisse populaire des syndicats nationaux, où Michel Chartrand était président. Entre-temps, en 1983, exactement, Chartrand est employé à la Caisse. Moi, je suis directeur de crédit à la Caisse. Et Chartrand, qui a toujours eu à cœur la peau des travailleurs, les maladies industrielles et tout, dit on va fonder une organisation pour défendre les accidentés du travail. Auparavant, il était allé voir les centrales syndicales, puis il leur avait dit, vous occupez pas de vos accidentés du travail. Vous occupez uniquement de la convention collective. Il faudrait s'occuper de la peau des travailleurs. Ils ont dit, ouais. Correct. Alors là, Chartrand bâtit avec le docteur Banville, le docteur Roch Banville, c'est le seul docteur qu'il a pu trouver dans tout le Québec pour venir travailler à la FATA, la Fondation pour aider les travailleurs, les travailleuses accidentées, est allé voir, pour se financer, est allé voir les centrales syndicales. Il a dit, l'argent par ici, des sous. Vous ne faites pas le job, on va en faire. Ce qui fait que durant 4 ans, la FATA a défendu les accidentés du travail, syndiqués ou non, gratuitement. Pas cher, ça. Gratuitement. J'ai participé à la fondation avec Chartrand de la FATA. Et en 85, quand je prends ma retraite de la Ville de Montréal, ben, je quitte la Caisse populaire. Je retourne pour 3 mois à la Ville pour régler les papiers, prendre ma retraite. Là, j'ai 51 ans. Là. Et là, Chartrand me dit « Kiki! » à la FATA. Et à la FATA, je deviens trésorier. Je dis à Michel, je dis, on va manquer d'argent pour faire les payes. Hein? On va manquer de l'argent. Je dis, oui. Là, on allait voir, mettons que la CSN nous donnait, je ne sais pas, 10 000 aux 3 mois. Mais on disait, tu sais, ton 3 mois qui est dû dans 3, le 10 000 dans 3 mois, peux-tu nous le verser à l'avance? Mais tu ne peux pas faire ça 2 ans à l'avance. Là. Alors, on avait tout fait ça, mais on n'avait plus d'argent. Alors, Chartrand avait 60 000 $ en 85. 85-86, de REER, qu'il a encaissé, puis il l'a donné à la FATA comme ça. Puis il dit, vous me rembourserez quand vous aurez le temps. Sans signature d'aucun document. On l'a remboursé, ça a pris 10 ans pour le rembourser. On l'a remboursé, puis on n'a pas payé d'intérêt, rien de ça. Et lui a été pénalisé quand il a fait son rapport d'impôt. Lui a payé des impôts là-dessus. C'était Chartrand. C'est ce qu'a donné que dans tous les syndicats, aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a un comité de santé et sécurité qui s'occupe des accidentés du travail dans tous les syndicats, que ce soit CSN, CEQ, FTQ. À la FATA, Florent Audette, notre bon Florent Audette, qui a ramené Michel Chartrand à la CSN en 68, me dit, Fernand, tu connais bien Michel? Puis en 92, Michel a quoi? Il a 70, 75, à peu près, là. Il est né en 1916. Il me dit, tu devrais écrire sa biographie. Ah, j'ai dit, ouais, c'est une bonne idée. Alors en 92, j'ai quitté la FATA
Ma femme était décédée en 87. J'ai quitté la FATA et j'ai commencé à m'atteler à la rédaction de la biographie de Michel Chartrand. J'ai amassé tellement de matériel, j'avais conservé tous mes agendas du temps, depuis que je faisais du syndicalisme, depuis 1965. Alors, je relisais mes agendas, puis avec les événements que j'avais là-dedans, je me faisais mon cinéma. Je me rappelais les moments que j'avais passés avec Chartrand. Et pour le reste, l'avant Chartrand, avant 68, que je ne connaissais pas Chartrand, j'ai fait des entrevues avec toutes les personnes, les proches, les parents qui ont côtoyé Chartrand. J'ai commencé par les plus vieux parce qu'à un moment donné, ça tombait. Hein. Le militantisme, ça ne s'enseigne pas. Ça ne s'enseigne pas, c'est quelque chose que tu as d'instinct. C'est dans les tripes. Un militant, c'est les tripes qui parlent. Il va raisonner un peu par la suite, quand viendra le temps de poser des gestes. Puis tu sais. Mais au départ, le militant, c'est un être généreux. Un justicier qui veut qu'il y ait de la justice sociale pour tout le monde. C'est ça, un militant. Et les militants revendiquent rarement pour soi-même. Il va revendiquer et aider ceux qui revendiquent pour les autres. C'est ça, un militant. Puis le militant, ben, il donne de son temps. Puis souvent de son argent. Puis il va avoir des dépenses qui ne sont pas remboursées, puis tout ça. Alors, à l'intérieur du s'il n'y avait pas de militants à l'intérieur du mouvement syndical, ou de n'importe quelle autre organisation politique, quoi que ce soit, il n'existerait pas. Le mouvement syndical ne pourra jamais fonctionner uniquement avec son personnel embauché, que ce soit secrétaire de bureau, archiviste ou conseiller syndical. Le mouvement syndical ne peut pas exister avec uniquement des employés. Il faut qu'il y ait des militants en arrière de ça pour que la mobilisation soit en marche 24 heures par jour, sans arrêt. Qu'est-ce que je dirais aux jeunes militants? Je leur dirais d'investir les groupes auxquels ils appartiennent. Allez faire un tour dans vos caisses populaires. Allez prendre le pouvoir. Présentez-vous dans les assemblées de conseils municipaux. Là aussi, il y a moyen de prendre le pouvoir éventuellement. Aussi, il y a des groupes populaires. Les groupes populaires, les associations de locataires, entre autres, à Montréal, je ne suis pas toujours pour Montréal. C'est important. Militez à l'intérieur de ça, les locataires. Mêlez-vous de vos affaires, puis inévitablement, la force du nombre pourra faire que vous aurez une influence auprès du gouvernement. Et, je suis certain, par mes expériences au Conseil central, les groupes populaires qui s'adresseront au mouvement syndical, si la cause est raisonnable puis défendable, à ce qu'on a défendu. Au Conseil central de Montréal, on faisait des choses aussi simples que de donner du papier à des groupes populaires pour qu'ils puissent imprimer des tracts. Ils pouvaient le faire imprimer, mais il n'y avait pas le papier, puis le papier coûtait trop cher. Moi, ils venaient me voir, combien t'en veux de papier? 5 000, 10 000? Hein? Je savais qu'il servirait à quelque chose. 5 000 feuilles d'un pied, ça me coûtait combien? Même pas 100 piastres. Puis les groupes populaires, c'était utile pour eux autres. C'est à la fin de ça, n'importe quand. N'importe quand. Et mieux, plus tôt même. Ça a commencé plus tôt. Ma vie, j'ai eu une belle vie dans le monde syndical et ailleurs, partout, t'es gâté pourri. Tu sais, connaître Chartrand dans ta vie, là, it's a blessing, comme disent les Chinois. Hein. Tu sais, ils m'ont ouvert des portes puis des horizons incroyables. Ça n'arrive pas à tout le monde, ça m'est arrivé. Malheureusement, ma famille en a souffert. J'étais pas souvent à la maison. J'avais une femme, un fils que j'ai négligé. Pour la cause. Ou par la force des choses. Je le regrette, mais ça ne change rien. Moi, je le regretterais durant 100 ans, ça ne change rien. Mais c'est le militant, c'est ça. Tu payes de ta personne et ta famille. Tes proches payent de leur personne aussi.